Aujourd'hui, on est face à une nouvelle version de Sage, à savoir Sage Génération Expert. Donc, notre présentation va porter sur ce logiciel de comptabilité. Mais avant de commencer, n'oubliez pas à s'abonner sur ma chaîne. Comme vous voyez, voilà le raccourci de la nouvelle version de Sage, Intuit Sage. Donc, double-clic sur Sortir. Normalement, vous allez avoir votre compte à travers votre supérieur ou chef comptable. La session est déjà ouverte. Quand vous saisissez votre mot de passe, vous aurez cette fenêtre qui contient ces quatre onglets: dossier, entité, collaborateur, Sage, connect. Au niveau du collaborateur, vous allez trouver, saisir du temps. Cette option permet de contrôler le personnel chaque fin de journée. On est obligé de saisir les tâches effectuées toute la journée et le temps consacré pour chaque tâche. Donc, après, on passe au dossier et on choisit la société sur laquelle on veut travailler. Double clic, vous allez choisir la société sur laquelle vous voulez travailler. Une nouvelle fenêtre s'affiche automatiquement qui contient ces options: dossier permanent, les contacts, la comptabilité, la création de l'analytique et tout ça. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est la comptabilité. Double-clic sur la comptabilité et la fenêtre suivante s'affiche. Contient la période, les journaux et le compte. Pour la période de mois 1, le 2 jusqu'à le mois 12, exercice 2018. Et pour le journal, j'ai un achat, vente, banque et opérations diverses. Passons au journal d'achat. On va travailler sur le journal d'achat, donc ajouter une nouvelle écriture. Le jour, c'est la date de facture. Vous allez saisir la date. Le compte, c'est le compte qui est convenant. Si ça donne un achat, le compte 6, et la vente, c'est le compte 7. Numéro de PC. Donc, automatiquement, libellé, c'est le numéro de facture et le fournisseur et début et crédit. Si vous voulez supprimer une écriture, vous allez la supprimer comme suit. Donc, c'est tout. On passe au journal vente. C'est le même principe. Le jour, le compte 7. Et le début crédit. Mais pour la banque, vous allez juste saisir le relevé bancaire. Et pour l'usier, vous allez rien mettre dans l'usier. Le jour, c'est la date de paiement. La pièce étant débile, c'est l'opération, le numéro de chèque. Et pour le numéro de pièce, vous allez entrer dans traitement et paramètres de saisie. Et cocher là avec inscription du numéro de pièce et OK. Pour moi, c'est déjà fait. Donc après, on passe aux opérations diverses. Les opérations diverses contient, vous allez comptabiliser la TVA et la paie. Donc, pour atteindre l'exercice précédent, atteindre l'exercice suivant, afficher les soldes N-1, mise en premier plan, c'est la fenêtre d'entrée. Ça, c'est pour revenir à l'ancienne version de Sage. Voilà l'ancienne version de Sage, donc le dossier, saisie de temps, et voilà. Fermé. Donc, c'est tout. Donc, au revoir.